Bonjour à tous. Je place un hameçon courbe en taille 16 à l'étau. Je place ensuite une bille de couleur noire en 2-3. Alors là, je vais monter une nymphe que j'ai surnommée la violine. Ensuite, j'utilise du bing de ma composition. Alors là, c'est un mélange de poils de lièvre et du bing de canard. Ensuite, je vais utiliser du tinsel holographique purple, violet. Je vais utiliser également une plume de poule. Donc je place le fil de montage sur l'hameçon, je coince la bille. Je viens jusqu'au niveau de la courbure, juste un petit peu plus, voilà. Ensuite, je vais placer un peu de poids sur le fil de montage. Voilà, je vais faire une boucle pour emprisonner le dubbing. Une fois que la boucle est faite, je vais placer un morceau de tinsel . Je fixe le morceau de tinsel à la courbure . Je laisse en attente . Je remonte avec le fil de montage . Je positionne mon dubbing de poil de lapin avec le dubbing de canard. Je twiste. Je forme le corps. Je coupe le fil en trop, voilà. Ensuite, je vais enrouler le tinsel à l'inverse en faisant attention de ne pas emprisonner les poils. Je coupe l'excédent. Les 2-3 poils qui sont un peu longs.
Ensuite, je vais prendre une plume. De poule, oui, comme ceci. Je vais rabattre les fibres, comme ceci. Je vais couper je fixe la plume. À l'aide d'une pince, je vais enrouler la plume. Alors, je fais bien attention de rabattre. À chaque tour, je rabats la plume de poule vers l'arrière. Je coupe l'excédent. Ensuite, je vais positionner le fil rose fluo pour faire un petit tag juste derrière la bille. Donc je positionne voilà. Je coince le fil noir avec le fil rouge. Je coupe le fil noir. Et là, je finis mon tag. Je fais le nœud final. Le fil s'est cassé, c'est pas grave. Je prends une petite goutte de vernis que je vais positionner sur le fil fluo rose. Avec une pince, une petite pince à épiler, là, une pince Bruxelles. Je vais enlever les poils les plus longs, voilà, comme ceci. Voilà, la mouche est terminée. Je vous remercie de m'avoir regardé. Et je vous souhaite un très très bon montage. À bientôt.